Je suis plus qu'ému. Ému parce que pour une fois, j'ai espoir que le domaine qui a été ma patrie, parce qu'en 79, j'étais là en première année, c'est sur un domaine de plus de 6 hectares. On nous a reconstruit un bâtiment sur 3000 mètres carrés. Est-ce que vous vous imaginez 3000 mètres carrés, c'est-à-dire c'est la 20e partie du domaine, c'est dans ça là qu'on a reconstruit l'école. Le reste, ils l'ont vendu aux 10 Chinois. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi mon meilleur jour de bonheur sur cette terre. Hésité pas un seul instant à nous apporter tout son soutien à la fois de coach mais aussi un soutien matériel où il s'est investi, vous avez vu, il s'est investi lui-même sur la rénovation des écoles de Donka et de Ratoma. Aujourd'hui il s'implique dans la rénovation de l'école des chemins de fer. Nous avons une quinzaine d'écoles cette année qui sont rénovées et mises sur le réseau de l'enseignement technique. Il n'a pas hésité à nous doter d'un siège décent. Nous existons maintenant et il n'y a pas une meilleure preuve d'affection et d'intérêt. Oui, je pense que c'est important. Je pense aussi surtout que la vision du président de la République et évidemment du ministre de l'Enseignement technique aujourd'hui, c'est de faire comprendre à la Guinée, en fait, ce n'est pas seulement les études pour devenir des bureaucrates. Aujourd'hui, on est dans une société qui est en train d'évoluer, une société qui est en pleine construction. Donc évidemment, on a besoin d'avoir de main-d'œuvre qualifiée, des gens techniques. Et donc, je pense que cette transition, elle est essentielle. Et si, effectivement, on met ça en place, ben, nous, en tout cas, en tant que ministre de l'accompagnement des jeunes en termes d'emploi, ce sera beaucoup plus facile pour nous pour ouvrir des portes, évidemment.